Le préfet de Sigiri, colonel Duramudu Keita, est sous le feu des projecteurs. Dans une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux, on le voit ciseaux en main, en train de couper les cheveux d'un candidat au baccalauréat, assis dans la salle d'examen. Le geste du premier représentant du colonel Mamadi Doumbouya à Sigiri suscite une avalanche de réactions. Interrogé ce samedi 18 juin 2022, deuxième jour du baccalauréat unique session 2022, le principal concerné a justifié son geste qui continue de défrayer la chronique. C'est pour suivre la bonne éducation des enfants. Imaginez, ce sont les futurs cadres et futurs ministres de la Guinée. Ils viennent en rasta complètement. Tout le monde était bien en classe sauf lui. J'ai appelé le délégué. Je lui ai dit, est-ce qu'on peut accepter ce candidat avec une telle coiffure? Vous n'imaginez pas combien de fois le président est en train de se battre pour l'éducation des enfants. Il demande de promouvoir l'excellence. Il faut qu'on l'aide. J'ai instruit le délégué de lui dire de se faire coiffer, sinon il n'entre pas en classe. Vous savez ce que l'enfant a dit? Il dit qu'il préfère perdre, mais il ne va pas se faire coiffer et il préfère rentrer à la maison. Je lui ai dit non, je suis ton papa. Je n'agis pas en tant que préfet, mais en qualité de papa, parce que tu as le même âge que mon premier garçon. J'ai dit maintenant, c'est la justice qui va nous séparer. Aujourd'hui, avec la nouvelle technologie, ce que les enfants voient dans les films, ils le pratiquent. Finalement, j'ai dit, je t'envoie à la CNIS maintenant. C'est là qu'il a accepté d'enlever les tignasses, là, sur la tête, a expliqué colonel Duramudu Keita, préfet de Sigiri. À l'en croire, son acte a dissuadé plusieurs autres candidats dans la ville. Je lui ai dit, si tu veux garder les tignasses là, tu peux le faire une fois à l'université. Le soir, tout le monde était chez le coiffeur pour enlever. Ces candidats disaient, si on ne le fait pas, le préfet va enlever. Il faut éduquer nos enfants, ils sont là la crème de ce pays, a-t-il dit tout en déplorant les nombreux cas de fraude enregistrés dans sa préfecture. Pour la première journée, il y a eu 11 cas de fraude à Sigiri. Les gens qu'on croit faire de la Guinée un pays émergent sont en train de faire la fraude, déplore le colonel Duramudu Keita chez nos confrères d'AfricaGuinée.com. Je pense que le colonel Mamadi Doumbouya, qui doit être au courant de ce qui s'est passé, doit sanctionner ce colonel. On ne doit pas permettre cela. Est-ce que c'était dans le règlement général des examens? Je ne crois pas. Je pense qu'il a fait abus d'autorité et il doit être sanctionné.